Bonjour Catherine et bonjour Laetitia. Bonjour. Voilà Catherine, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée, Laetitia. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, pour mes problèmes de santé, j'ai plutôt une bonne santé, mais j'ai des problèmes de thyroïde depuis une vingtaine d'années, donc je suis sous Alors, traitement. hypo ou hyperthyroïdie? Hyperthyroïdie d'Hashimoto. Hyperthyroïdie. OK. Quand je suis stressée, j'ai des petits problèmes de psoriasis. Où ça? Sur les coudes, ça peut arriver sur les genoux. Coude et genoux au stress. OK. J'ai un petit peu d'emphysème sur le poumon droit. Emphysème. Donc c'est comme des bulles d'eau, c'est ça, sur les poumons? J'ai pas trop cherché à. Oui, je crois que les bulles Ouais, je sur. crois que c'est les petits, ça se bouche en fait, les petits vaisseaux se bouchent, hein, je crois. D'accord. Bon, alors, en tout cas, on J'ai verra bien. pas trop. Ouais. Bon, et puis je fume pas mal, donc Ah. j'aimerais bien m'arrêter de fumer. C'est combien de paquets par jour alors? Bah ben, je roule mes cigarettes, donc je fume bien une vingtaine de cigarettes par jour. D'accord. Donc tu as envie d'arrêter? J'ai envie d'arrêter le tabac et l'alcool, parce que je bois un petit peu. Ah, d'accord. OK. Sinon, j'ai des problèmes dentaires, et puis ce sera. D'accord. Les dents. C'est quoi? C'est des caries? Qu'est-ce que c'est? Non, j'ai eu pas mal d'accidents. Oui, ça a été des caries, puis j'ai eu pas mal d'accidents et voilà. Donc D'accord. C'est j'ai. quoi? Des dents qui se déchaussent ou. Non, j'ai eu des accidents. Donc j'ai eu des racines cassées. J'ai eu des accidents dans le visage. D'accord. Dont Ok. une agression d'ailleurs. Voilà. Ah oui, tu as subi des agressions? Une agression? Enfin, une agression, oui, qui a cassé une de mes dents avant. Et puis D'accord. j'ai eu un accident de scooter et un deuxième accident où je suis tombée. Non, D'accord. pas Alors, donc, tous mes problèmes de santé, je sais pas si c'est un rapport, mais c'est toujours du côté droit. bon, on verra ça. Donc, toujours à droite. OK. Alors, donc, tu as fini avec la santé, si j'ai bien compris? Alors, allons-y pour les autres points. Alors, j'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place, de m'ennuyer, de me sentir différente. Voilà, c'est ma première question. Oui. Et je sens que j'ai un blocage au plexus, ou voilà, je ne peux pas parler de moi, de mes sentiments, de mes ressentis. J'ai beaucoup de mal. D'accord. Donc, quand tu dis que tu as un problème au plexus, c'est une conclusion que tu donnes parce que tu as du mal à Oui, parler de toi et de tes sentiments, c'est ça, hein? Bah, c'est ça. je préfère que tu me dises ça. Tu n'as pas de douleur spéciale au D'accord. plexus? Non, 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 j'ai D'accord. pas de douleur. Ok. Non. Donc, voilà, tu es bloqué dans l'expression de tes sentiments. C'est ça. Ok. Je ne me souviens jamais, jamais de mes rêves. Je me souviens d'aucun de mes rêves. Alors que tout le monde rêve. Oui. Et je voudrais savoir, parce que je fabrique des orgonites, et je voudrais savoir si déjà ça fait du bien aux personnes à qui je les donne. Enfin, j'en ai l'impression, puisque ça agit sur mes plantes et j'en ai partout chez moi. Oui. Voilà, donc simplement voir si les orgonites, c'est un truc qu'il faut que je continue parce que ça me fait du bien, et puis j'espère que ça fait du bien aux autres. On verra ça. D'accord. Et puis voilà, savoir ce qu'il faut que je comprenne dans cette incarnation, si j'ai quelque chose à comprendre. OK.
Est-ce que comment dirais-je, est-ce que tu te sens connecté à des guides, des anges ou autres ou pas? Oui, mais Est-ce que tu es dans ce moment-là? Oui, mais par contre, bon, je fais du yoga nidra. Voilà, je suis un peu dans. Mais je n'arrive pas du tout à visualiser, par exemple. D'accord, mais je dirais, est-ce que tu sollicites des guides, des maîtres, des anges, des choses comme ça? La Ou source, Jésus, Marie-Joseph, ou je ne sais pas, est-ce que ben, tu... oui, mais quelque chose de plus haut, mais je le nomme pas. J'appelle pas ça. Ouais. Être connecté, oui, à à quoi? Oui, je crois en des anges gardiens ou en tout cas une conscience supérieure, oui. Ok. Et quand tu fais des prières, tu t'adresses à eux? Je m'adresse à mon essence supérieure, ou je ne sais pas comment la nommer, à la source, à ce qui est Okay. au-dessus de moi, mais je ne sais pas le nommer. Bien. Bien. Tu avais une autre question? Non. Alors, on va passer aux invitations. Alors, à part ton mari, bien sûr, et sa famille, tes enfants et leur famille, hein? Oui. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. J'ai deux sœurs, un frère. Frères, sœurs et leur famille. Oui. Voilà. Tes parents sont encore de ce monde? Ma maman. Maman, elle est seule? Oui. D'accord. Après, on dit famille en général. Oui. Voilà. Après, tu as des amis, relations, collègues que tu as invités, sans les nommer, bien sûr. Oui, mes amis, mes collègues, oui. Amis et collègues. OK. D'autres personnes en particulier ou c'est bon là pour toi? Non, c'est bon. Tu as des animaux? Y en a chez les autres, tes enfants ou autres? Oui. Donc on dit les animaux de tout le monde. Les animaux, oui. Et pour les deux désincarnés, tu choisis qui alors? Alors, mon papa. Et mon premier mari. Premier mari. OK. Il s'appelait comment? Et toi, Ahmed. dis-moi. Ahmed. Voilà. OK. Eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Couper le son, oui. C'est bon. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 41 000. À 41 000, est-ce que tu te sens suffisamment hors d'atteinte et en sécurité? Oui. Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi comment tu me vois. 380. Ok, comme d'hab. Et donc, je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Catherine. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, j'observe entre le corona de la glande pinéale et jusqu'au troisième œil, c'est comme s'il y avait, j'ai le terme, un écran plasma qui est placé là comme ça et où c'est brouillé au niveau des informations. Tu sais, comme la neige à la Ouais. télé. Ouais, c'est, ouais, voilà. C'est placé comme ça. Comme une sorte de demi-casque, j'ai envie de dire. Donc ça brouille à ce niveau-là les informations. C'est entre le corona et le troisième œil. Et la glande pinéale. OK. Et derrière, il y a des entités qui envoient des. Comment on appelle ça? Des fréquences sonores. Enfin, j'ai. Attends, j'ai eu le terme. Comme si c'était ouais, c'est ça, des fréquences sonores, mais en termes Comme un sonar. de radar sonore. Tu sais, comme un radar sonore, on Un envoie du sonar. morse. Un sonar, voilà, merci, cherchez le mot. Exactement. Pour la déstabiliser, ouais, c'est ça.
Alors, du coup, quand je continue à la scanner, je la vois désancrée et décalée en son centre, donc elle est désalignée. Je dirais qu'elle est portée sur la gauche dans son désalignement. Je veux dire, au niveau de son ancrage, de son chakra racine et jusqu'au cardiaque, entre le plexus et le cardiaque, c'est à partir de là qu'elle est désalignée en fait. Donc il y a une partie qui en haut du corps qui part un petit peu vers la droite et le bas du corps hein, à partir du cardiaque qui est sur la gauche. Voilà, ça c'est le désalignement qu'elle subit, oui, parce que j'ai ce terme-là aussi qui m'est venu. Alors, il y a un implant, une nanotechnologie au niveau du plexus qui est comme pour la bloquer, en fait, ça la bloque. Ça la bloque dans ses agissements au niveau donc de la 3D. Voilà. Ensuite, il y en a un aussi derrière la nuque qui bloque le laryngé, donc l'expression, pardon, l'expression, oui. Oui, alors attends, j'ai quelque chose au niveau du cortex, enfin je ne sais pas si c'est le cortex derrière, c'est comme si, oui c'est pareil, c'est encore aussi un implant, comme pour la désinformer. Alors déjà qu'elle n'est pas du tout en phase dans ses informations, mais on la désinforme aussi avec cet implant. Ah oui, par rapport à ses corps subtils supérieurs. Ça veut dire quoi, quel problème, ça ? Alors, la désinformation, ça veut dire le décalage de réalité. Et j'ai une sensation de me sentir perdue. Voilà ce que ça lui provoque. Elle est désinformée, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, en fait. Ouais, t'es perdue. C'est ça, cette sensation d'être perdu. Mais c'est la désinformation par rapport à ces corps subtils supérieurs, en fait. Enfin, supérieurs au-delà du corps mental, en tout cas. D'accord. Voilà. Et hop, effectivement, je revois un désalignement aussi. Enfin, quand je dis je revois, c'est-à-dire que je vois qu'il y a un désalignement aussi par rapport à son soi supérieur. Voilà. C'est-à-dire que je le vois par rapport. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois d'autre alors, si tu continues à scanner? Alors, j'ai quelque chose au niveau du bras. Attends, je regarde parce que ça soulève le bras au niveau du coude et surtout le côté droit. Il y a quelqu'un qui l'attire comme ça. Attends, je regarde. C'est une entité qui la tire pour la comme pour la réaligner, mais c'est pas un réalignement en son sens à elle, c'est un alignement pour l'entité en fait, pour l'attirer dans une autre phase. Mais le fait qu'elle soit tirée par le coude, ça provoque des est-ce que je peux appeler ça des douleurs dans l'élémental. Élémental, mais des douleurs, ça peut être aussi tu sais, comme des douleurs psychiques, je ne sais pas, des douleurs ressenties. Quelque chose qui... Le psoriasis, c'est un effet ou pas ? Oui, exact, oui. Voilà. Ouais, ouais, parce que ça compense, et moi, tu vois, je sens fortement mon bras, mon coude qui est tiré vers la droite, et c'est très désagréable. Donc, ça, c'est une entité, une petite main d'ailleurs, qui provoque ça. Voilà, et par contre, juste j'observe par rapport à quand elle est tirée du côté droit, j'ai sa jambe gauche qui force et compense comme si elle se mettait à cloche-pied, tu sais, de l'autre côté. Elle compense de l'autre côté, donc du côté gauche. Elle est à cloche-pied. Voilà ce que je ressens. Comme une lutte. Comme une lutte. Comme si elle luttait. Elle est déséquilibrée. Voilà la conséquence quoi. C'est... Et puis elle force sur le côté gauche du coup. On la tire à droite et elle force à gauche. Donc ça tiraille son élémental en fait. Et les corps subtils aussi. Okay. Bah, émotionnellement, les corps subtils, c'est
Oui, j'ai le terme exacerbé, c'est-à-dire les émotions peuvent être une hypersensibilité, voilà, peut être exacerbée, ouais, c'est ça, au niveau émotionnel. Voilà, c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai revu les implants, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Plexus derrière la nuque. Tu as un système GPS quelque part ? Alors, le GPS. Alors, le GPS, c'est au niveau de l'écran. Alors, l'écran qui fait coronal et troisième œil, mais c'est troisième œil, son GPS. Enfin, c'est l'écran, en fait, en lui-même. D'accord. C'est comme ça qu'on la chope et qu'on la repère. D'accord, ok. Bien, puisque tu as fait le tour, on va regarder qui est derrière tout ça, qui sont les artistes. Oui, déjà, je vois les artistes petites mains. Donc, je disais par rapport au coude, c'est des petits gris, les petits gris qui sont 1, 2, 3 autour d'elle, en train d'opérer, donc un qui la tire, c'est eux qui ont installé les implants derrière, mais pas l'écran, c'est pas eux l'écran. Donc, eux, ils gèrent, non, l'écran, c'est la hiérarchie au-dessus, c'est reptiloïde. Donc, okay. Là, j'ai okay. deux. Donc, ils travaillent pour ces reptiloïdes, c'est ça ? Ouais. Là, pour l'instant, j'en ai deux. Quand je remonte en hiérarchie, qui s'occupaient de l'écran, c'est eux qui l'ont chopé, je vais dire ça comme ça, attrapé. Et au-dessus d'eux, il y en a encore un chef. Voilà. C'est aussi un reptiloïde ? Oui. D'accord. Ok. Alors, c'est quoi leurs objectifs ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Manipulation, alors manipulation de l'être humain. Donc, on l'attrape, on la manipule, on lui baisse ses fréquences, on la manipule dans les fréquences pour l'amener à baisser son taux vibratoire et pouvoir accéder en fait à ses corps subtils supérieurs qu'ils ne peuvent pas atteindre comme ça en fait. Donc, d'accord, donc ce qu'il vise, c'est les corps subtils supérieurs, à partir du christique, je suppose. Christique, même, et même ceux d'au-dessus. Là, ils ont accéléré. À partir du ciel, d'accord. Oui. Ok. Et pour faire quoi alors ? Alors, j'ai la totalité de la manipulation de l'être humain, de la Terre. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'insérer et manipuler comme ça l'être humain depuis ces corps subtils-là. Enfin, pour l'instant, ils en sont que là, eux, en tout cas. D'accord. Et ça serait pourquoi faire des manipuler les humains ? Ça leur permettrait quoi ? Beaucoup plus de puissance, de souveraineté aussi. Enfin, de puissance. Enfin, je sens qu'ils seraient beaucoup plus grands et puissants et qu'ils domineraient le monde, en fait. Donc, qu'ils domineraient la Terre et qu'ils domineraient aussi l'espace. Du système solaire. D'accord, carrément. Très bien. Ouais. Donc, c'est leurs objectifs. Mais ils veulent enrichir leur physicalité ou c'est simplement influer sur l'humain ? Ils veulent s'insérer. S'insérer dans l'humain ? Oui. C'est-à-dire que quand ils vont contrôler les corps subtils, c'est eux, en fait, qui seront en place. Il n'y a pas forcément de manipulation de leur corps à eux. Par contre, eux, ils vont s'insérer et contrôler cette partie-là subtile. D'accord, subtile et divine. Une forme de possession à partir des corps subtils, c'est ce que tu veux dire ? Exact, exactement. Ok. Et ils pensent que ça donnera plus de pouvoir sur l'humanité, le monde et le système solaire. Oui, et par rapport à d'autres entités aussi. Ah oui, parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres entités. Oui. Ils veulent avoir la supériorité, c'est ça ? Pardon, oui, exactement. D'accord. Bon, alors, depuis quand est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois ? Je compte, il y a 1, 2, 3. 5 incarnations. D'accord. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris la première fois ? Alors, il y a une sorte de négociation lors de la désincarnation. Ah oui, négociation. Pourquoi,
Ouais, je ne sais pas pourquoi il négocie. Ou alors il tente. C'est pas vraiment une négociation. On a l'impression qu'il négocie. C'est-à-dire que si je me mets à la place de Catherine dans cette incarnation-là, elle se désincarne, elle les voit. Eux, ils arrivent comme des commerciaux, tu sais. Tiens, on te propose ça si tu veux. Voilà, si c'est une bonne affaire. Qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose quoi alors du coup? Une sorte de paradis, c'est-à-dire de se sentir chez elle et bien, voilà, au mieux, comme une sorte de paradis en fait. Ok, et donc je suppose qu'elle accepte. Oui, parce qu'elle pense que la mort, c'est ça. En fait, une fois qu'on est désincarné, elle pense que c'est comme ça, effectivement, qu'on peut négocier ses services du D'accord. paradis. Et un paradis, ça ne se refuse pas. Non, surtout qu'on lui propose des choses et qu'elle est d'accord en plus. Elle les voit sous quelle forme? De quelle forme il se présente à elle? Des humanoïdes bienveillants, sages. Voilà. Il n'y a pas forcément de figure, d'icône spécifique, mais en tout cas des humanoïdes bienveillants qui gèrent le paradis. Très bien. Alors on va revenir en arrière. Tu vas voir de quelle manière elle a quitté son corps. Où est-ce que dans quel pays nous sommes? Quelle époque? Quelle est sa polarité? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une vieille dame qui se désincarne. Polarité, donc, oui, féminine. Type, ouais, je dirais européenne. Style les Balkans, quelque chose comme ça. Oui. Dans une cabane en bois, vétuste. Alors, pas trop la misère, mais vétuste, on va dire. 1300. Dans les années 1300. D'accord. Cabane en bois dans la forêt, quelque chose comme ça. Et elle meurt de quoi là? Il y a des toiles d'araignée chez elle. C'est comme si son cœur s'arrêtait. Comme D'accord. Ah. peut-être la vieillesse ou naturelle. Arrêt Mais cardiaque. ouais, mais je ne peux pas dire que ce soit vraiment naturel. C'est parce qu'elle se sent isolée, elle se sent seule et qu'il y a déjà les entités en fait qui l'ont observée et qui ont accéléré en fait sa mort prématurée. C'est pour ça que le cœur s'arrête. Il y a un D'accord. grand sentiment de vide intérieur, je peux dire. C'est comme si ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde était mort et qu'elle se retrouvait seule en fait. Ok. Bien. Donc je suppose que depuis lors, c'est eux qui gèrent cette incarnation. Oui, exact. Toujours dans l'illusion, en tout cas. C'est eux qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner. Parfois, oui. Ils choisissent une lignée et après, il y a des lois d'attraction aussi. D'accord. Et dans cette vie de Catherine, c'est eux qui ont choisi la lignée ou c'était par loi d'attraction? Alors, ils ont choisi la lignée par rapport au masculin et elle a eu des lois d'attraction par rapport au féminin. Donc, ça se complétait. Enfin, ça se D'accord. complétait. Dans la vulnérabilité et les faiblesses de la lignée, ça se complétait. Voilà. D'accord, ok. Donc il y a des problématiques au niveau des polarités alors, dans la lignée, c'est ça? Alors, j'ai la sensation de me sentir seule encore, mais c'est par rapport au masculin. Donc, d'être toujours une femme forte et qui doit se débrouiller toute seule. J'ai ça, en fait, qui me vient. Et par rapport au féminin, alors, au féminin, c'est comme si c'est l'indépendance, l'autonomie de se débrouiller seule. Donc, en fait, il y a un déséquilibre des polarités aussi à l'intérieur d'elle-même. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Catherine prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie, des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de manifestations sur Terre, enfin d'incarnations sur Terre dans cette boucle de manifestations de son soi supérieur? 18. 18 ans. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient. Avoir entré dans cette fausse matrice et sous quelle forme? 1, 2, 3.
Alors, j'ai eu Neptune qui s'est activé avec un être humanoïde neutre. Il n'y a pas de polarité féminin ou masculin. C'est neutre. Type, donc, comment je vais expliquer ça? Humanoïde neutre avec un. En fait, je ressens l'élément eau, mais cet humanoïde ne ressemble pas à de l'eau. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Mmh. C'est comme si elle portait une coiffe avec un symbole comme ça. Ils sont plusieurs. J'ai mes jambes, je ne sais pas pourquoi, qui vibrent très très fort. Alors je regarde pourquoi ça vibre fort. C'est comme s'il y avait une sorte de... Ah oui, c'est magnétique. C'est comme s'il y avait une sorte de magnétisme et d'ancrage assez fort sur cette planète. Mmh. Alors j'ai une sensation de... Ah, c'est pour ça que c'est neutre. Ok. Il y a une partie d'elle, je dirais... celle où c'est magnétique et ancré très fortement, qui est en cinquième dimension. Et j'ai cette partie-là haute de la tête, où il y a la coiffe, qui entre en sixième dimension. C'est comme si elle était en mutation ou en transformation. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. D'accord. Et que c'est donc dans cet échange-là, en fait, dans cette transformation-là, dans laquelle je me trouve, en fait. Je suis entre les deux. Je suis entre la cinquième et la sixième dimension. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle y fait ? C'est une planète ? C'est une étoile ? C'est la planète. C'est la planète Neptune. Bon, on est sur Neptune, alors. D'accord. Oui. Neptune elle-même. OK. Bien. Mais ça me tiraille. C'est comme si cet ancrage, ce magnétisme me tiraillait. Cette cinquième dimension et... Il y a des turbulences. Voilà. Mmh. C'est ça que je ressens et j'aperçois. Mais ils sont plusieurs comme ça à se transformer. C'est par rapport à cette coiffe. On va dire que c'est comme un objet, je ne sais pas si je peux appeler ça technologique. Je ne pense pas que c'est technologique, mais je vois comme un objet en fait, qui leur permet en fait, d'accéder à cette sixième dimension pour la construire et la rendre plus harmonieuse, cette sixième dimension. Parce que la cinquième dimension, par laquelle je suis encore rattachée, là, je le ressens, elle est déstabilisée, en fait, au niveau du système solaire, je dirais. Il y a une déstabilisation de fréquence. Donc, c'est comme si là, elle commençait à se revêtir en sixième dimension et voilà, à relâcher cette cinquième-là, qui est très dense. En fait, je sens une grande densification au niveau de la cinquième dimension. C'est déstabilisant et c'est très embêtant, c'est ennuyant, c'est gênant. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, c'est tout leur peuple qui vit ça ? Exactement. Ok, donc elle est dans une phase d'ascension, on va dire, cette planète. Elle ascensionne vers la sixième dimension. Elle ascensionne, mais en même temps, il y a une déstabilisation de la cinquième dimension. Et ça, c'est relié à l'histoire que l'on connaît de Gaïa. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, j'aperçois donc l'environnement de la cinquième dimension qui est déstabilisé de Neptune, lié à l'arrivée de la fausse matrice en fait de Gaïa, qui déstabilise aussi, on va dire, l'espace du Soleil, mais de Mercure, de Mars, de Vénus, enfin, je sais pas, de toutes ces planètes jusqu'à Neptune. Et c'est comme si la cinquième dimension, ça bouge. Il y a trop de mouvements. Ok, la cinquième dimension est affectée et du coup, il y a nécessité de monter dans la sixième pour être hors de portée. Exactement, exactement, parce que je vois comme une dimension qui est craquelée au niveau de la cinquième dimension. Elle n'est plus harmonieuse, en tout cas pour que eux, ils vivent sereinement. À quoi elle ressemble Neptune en cinquième dimension ? Elle est bleue. Oui. Elle est bleue, il y a de l'urbanisation, il y a de l'eau, il y a de l'élément eau aussi, en fait, de l'eau en cinquième dimension. Et il y a des zones urbaines aussi, on va dire ça comme ça. Donc c'est drôle parce qu'en astrologie, justement, Neptune est connue pour être une planète d'eau, tu vois. Donc il y a une corrélation. Ah ouais.
Parenthèse, hein. Voilà, je ne sais pas si tu connais l'astrologie, mais... Non. Ok, voilà, donc qu'est-ce qui se passe alors? Donc ce bébé est en train de, on va dire, de changer de dimension. Il y a une partie qui reste encore dans la cinquième, mais ça fait un tiraillement, c'est ça? Oui, surtout pour elle, en fait. D'accord, surtout pour elle, plus que pour les autres? Oui, parce que je ressens plus pour elle, hein. Pour les autres, ça dépend. Il y en a qui arrivent très bien à ascensionner. Elle est encore rattachée en fait à sa vie d'avant, on va dire, entre guillemets. D'accord, elle n'arrive pas à lâcher. Oui, exactement. Elle est vraiment attachée. Une chose particulière sur cette planète, à part d'être alors, passée à la sixième, est-ce qu'elle a des fonctions particulières, des occupations particulières? Moi, j'ai le terme enseignement en fait qui s'est activé. Après, c'est assez large, mais j'ai de l'enseignement. Qu'est-ce qu'elle enseigne? Comme si elle enseignait aux enfants. Je ne sais pas, les fonctions de sa planète, de la dimension. Comme quelqu'un qui est un peu scientifique et qui enseigne, qui transmet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors, elle a décidé de ne pas ascensionner totalement en sixième dimension. Et c'est pour ça que là, je retrouve mon calme, parce que je la vois en fait retourner en cinquième dimension. Et le fait de retourner en cinquième dimension, dans ces fréquences qui sont un environnement un peu déstabilisant, elle va en fait se faire, comment dire? Alors, je vois les fréquences qui, elles, l'amène à aller voir de plus près ce qui se passe au niveau de la Terre pour pouvoir faire quelque chose en fait. En fait, elle a envie de faire quelque chose pour contrer ses fréquences. Elle ne sait pas quoi, mais elle va rencontrer de toute façon d'autres humanoïdes. Donc elle part en fait en ces Merkaba hein, individuels. Elle va rencontrer d'autres humanoïdes qui sont autour de la fausse grille magnétique, pardon, oui. D'autres humanoïdes qui tentent en fait de contrer en fait cette installation. Elle n'a pas forcément d'armes, elle ne sait pas encore comment faire, mais comme elle n'a pas envie d'ascensionner en fait hein, directement à cause de ça, donc elle tente de les aider en fait, voilà. D'accord, elle va agir sur la cause plutôt que sur les effets. En gros, c'est ça. Oui. En fait, oui, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se sent obligée d'ascensionner. Ce n'est pas la solution pour elle. D'accord. Pour elle, la solution, c'est d'arrêter le processus qui est en train de gangréner l'espace terrestre, c'est ça? Exactement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand elle rencontre d'autres humanoïdes, quel type d'humanoïdes elle rencontre là? Alors, j'ai Pléiadien, j'ai Andromédien, je ne sais pas si on dit ça comme ça, Andromède. Pardon, je vais tousser. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc, elle rencontre ce type-là d'humanoïde, pardon, ça reste là sur ma gorge. Non, mais c'est pas grave. Donc, je la vois qu'elle est en train, avec ses mains surtout, de poser ses mains sur la fausse grille magnétique et d'envoyer de l'énergie pour contrer et repousser cette grille magnétique. Sauf que les reptiloïdes qui sont en face sont beaucoup plus forts qu'elle. En tout cas, je ne parle pas forcément des autres humanoïdes. Mais elle se sent au fur et à mesure diminuée. Et à un moment donné, elle se fait rapter aussi, prendre dans des filets énergétiques par ces reptiloïdes. Et ensuite, elle est jetée directement dans la fausse matrice, dans les roues d'incarnation. Ouais, je la vois comme ça. D'accord. Il y a un sentiment d'impuissance à ce moment-là. Ok. Bien. Et donc, les premières manifestations qu'elle a sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, je la vois en tant que polarité féminine. Oui. Et j'ai toujours cette sensation de femme forte, tu sais. Indépendante, autonome, qui doit gérer toute seule.
D'accord. Et dans cette première vie humaine, où est-ce que ça se passe là, cette première? C'est un peu mêlé entre l'Australie et l'Afrique du Sud, je dirais, je sais pas. Par là. J'arrive pas D'accord. trop bien à définir les territoires. C'est pas le plus important. Hein. Mais c'est des Ok. autochtones. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, ça y est. Si tu scannes encore Catherine, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et s'il a été trafiqué ou pas. Alors, modifié, oui. En fait, il y a eu une modification naturelle, enfin naturelle. C'est pas naturel, mais c'est dû en fait à ces reptiloïdes-là, donc il y a une modification de 2%. C'est les causes qu'elle prend, ça. La perte d'identité, je dirais. D'accord. Mais De pourquoi ils... la perte d'identité de son essence, en fait. Pourquoi ils l'ont modifié, c'est en deux, c'est des conseils, là? Mais c'est une modification naturelle liée en fait à sa situation énergétique. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une mutation, comme eux, ils recherchent à accéder au subtil supérieur, au corps Ah subtil oui. supérieur. Donc il y a une modification en fait naturelle due à D'accord, ces ils n'ont dispositifs. pas modifié l'ADN, ça s'est fait naturellement. C'est ça. T'as D'accord, c'est compris. comme. Ok. Naturellement par rapport à leurs actions. Ouais, Hein? exactement. Ce n'est pas une Ouais. intervention directe. Non. Bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Alors, à part ces petites mains, petits gris et ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, entités démoniaques sur le corps émotionnel, donc il y a l'hypersensibilité, elles appuient dessus, c'est-à-dire des émotions qui sont exacerbées, des émotions ressenties comme, alors je sais pas pourquoi j'ai le rejet qui s'active, c'est-à-dire la sensation de rejet, en fait, de pas appartenir à ce monde, là par exemple, hop, c'est appuyé dans les D'accord. failles psychiques. Et au niveau Genre, du corps mental tu veux aussi. dire genre rejet de l'incarnation, c'est ça? Oui, par exemple, rejet du monde, oui, de l'incarnation, ou D'accord. toute forme de rejet, c'est elle qui appuie en fait. Et au niveau du corps mental aussi, elles appuient sur des croyances comme quoi une sorte de fatalité parfois. D'impuissance. D'impuissance et de fatalité, oui, Ok. exactement. Ensuite, les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Et c'est tout. Pas de parasite. Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïbique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vues et pas vues, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller. Programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Catherine se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure,
prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Catherine à présent ? Elle ressent un alignement en elle, en fait. Comme si elle retrouvait ses parties d'elle. Bien. Alors, dis-moi comment réagissent les entités. Elle déploie des... Alors, les petites mains déploient des vortex et les autres déploient des lignes de temps. Bien. Alors, on va tous les bloquer comme un arrêt sur l'image, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière et tu vas trouver une position juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et tous. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Tu refermes et tu le fais. Oui. Regarde la bulle énergétique de Catherine, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces, des réminiscences. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais compressité. 1, 2, 3. Oui. Alors, regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Entre parenthèses, nous, on n'a pas été repérés. Hein. Non, pas du tout. Parfait. Alors... Dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont des données du GPS de l'écran situées dans des puces. Mmh. Est-ce que c'est relié à des ordinateurs ou équivalent ? Oui. Bien. Est-ce que tu vois un ordinateur central ? Oui. Il est relié à combien d'ordinateurs ? Il y en a 3. Bien. Tous dans le même vaisseau ou ailleurs ? Même vaisseau. Alors, est-ce qu'on peut tout griller ? Oui. Ok, je fais une puissante explosion, tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, moi j'ai le cerveau, leur, qu'on appelle ça, circuit neuronal qui s'active. D'accord. Comme c'est de la mémoire ou c'est une technologie ? C'est de la mémoire. Ok. Alors, avant d'effacer la mémoire, regarde s'ils ont d'autres moyens de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a des lignes de temps qui se sont déployées. Donc, j'en ai 3. Et je regarde s'il y en a qui sont dissimulées. Oui, j'en ai 1 en arrière-plan. Hein. De quelle manière ils les déploient, ces lignes de temps ? Avec la technologie, des lasers, on va dire. Ces lasers sont reliés à du matériel ou c'est indépendant ? Oui, c'est relié à un ordinateur central. D'accord, l'ordinateur central. Ok, c'est un autre ordinateur central ? C'est pas celui qu'on a grillé ? Non, c'est pas celui-là. Ok, eh ben on va. Et cet ordinateur central est relié à d'autres ordinateurs ? Oui, tous les ordinateurs de ligne de temps. Oui. Combien tu en vois ? Il y a 5. On peut tous les griller ? Oui. Alors, puissance d'explosion, tu grilles tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Là, je me sens très calme. Donc, je dirais non, à part la mémoire, et puis c'est tout. Ok. Donc, ils n'ont rien dissimulé, il n'y a rien de caché, ils regardent bien partout, ils n'ont pas anticipé la séance. Ça a été compris dedans, parce que j'avais vu l'anticipation de séance, et là, j'ai plus rien. D'accord. Mmh. Alors, effacer maintenant leur circuit neuronal et tout autre moyen technologique, la mémoire, le souvenir de l'existence de Catherine. Pour tout le groupe, y compris, bien sûr, pour les petits gris. Et tout ce qui est relié... De près ou de loin à elle. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Comment tu les vois maintenant ? Le vaisseau est parti. En fait, c'est comme si je les voyais s'en aller, disparaître dans mon champ. Très bien. Alors, regardez son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation.
Comment tu vois son âme? Elle se pose des questions encore, elle n'est pas très rassurée. C'est normal. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement, elle se sent libre. Alors, on va demander au sens supérieur s'il était adéquat que nous partions du plan Morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. Du plan Morentiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Catherine pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Voilà, donc sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Catherine. De vivre sereinement cette incarnation et de l'explorer pleinement. D'être vraiment dans le ici et maintenant. Je ne sais pas, c'est cette sensation-là que j'ai. Bien, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence? Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est strié. Il y a comme des... Alors, quand je parle de strié, c'est en verticalement. Et le côté gauche, surtout. C'est comme si c'était des tunnels, tu vois, de vers okay. de terre. Voilà, c'est ça le stri. Ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Il y a une difficulté de compréhension de la réalité, c'est-à-dire il y a un décalage de réalité, surtout le côté gauche, hein, c'est-à-dire le côté féminin. Ça peut créer des conflits aussi féminins à l'intérieur d'elle-même. La reconnaissance du féminin, par exemple. Son point féminin. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Catherine? Elle se sent perdue parce que ça génère aussi des problèmes, voilà, de décalage de réalité avec la partie masculine, du coup, avec les hommes. Enfin, voilà. Point de communication ou... C'est ça. Décalage de réalité, oui, c'est communication, mais de sa place aussi. Le décalage de prendre sa place, ou quelle est sa place réelle, voilà. Elle n'arrive pas à trouver sa place. Très bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? J'ai 38. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là? Il y a des entités démoniaques qui interfèrent l'arbre. C'est elle qui provoque ses stries. Voilà, ses trous. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Il monte en fréquence soudainement, et c'est ce qui le place hors du champ de perception de ses entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors, j'ai le terme reconstruction. Les âmes de cet arbre se reconstruisent dans une même réalité. Voilà. Donc, les échanges maintenant sont fluides. Elles sont correctes. Et c'est équilibrant. Comment vois-tu que ça impacte Catherine?
Catherine, elle prend sa place et elle se repère dans cette place et elle se sent bien à sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a 2% modifiés. Est-ce qu'on peut les supprimer? Oui. Alors, on supprime dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, de ce 2%, est-ce que tu vois qu'il en reste des résidus? Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Bien. À présent, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à neuf. Alors, on va éliminer l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'élises, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 6 et 5 d'activées. Tu peux activer la sixième? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique et physique. C'est bon. Parfait. Alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Donc, et je vais conseiller à Catherine d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et comme d'habitude, j'invite les personnes qui voient cette vidéo
à faire donc le travail pour elle-même à partir de maintenant, si elles le veulent, évidemment. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient, ou qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il reste des copies ou des parties d'elle quelque part. Non. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Catherine, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement, pour tout motif qui soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir
à propos de qui ou de quoi que ce soit. Je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place. Et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre. Et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseigne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïviques, ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Elle invite à procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Et éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Un contre les nuisances des ordinateurs
et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double rébuscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Voilà. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Catherine de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités, bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace énergétique et physique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres, ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De notre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Pour ce faire, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébrospinal. En le calquant sur l'archétype originel, que se passe-t-il? Il y a une réinitialisation et une fusion du système jusqu'à sa 3D. Alors, on va continuer avec les autres systèmes nerveux central. Oui. Système sanguin. Oui. La fatigue. Énergétique des méridiens. Oui. Osseuse, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Donc, élimination des programmations limitantes sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Et là, on va refaire tout le tableau. Donc, on élimine l'ancien, comme précité, sur tous les plans. 1, 2, 3.
Oui. Et il y a le retrait à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel, en tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, en isolant les parties métalliques s'il y en a. Donc, recréant toutes les connexions avec les systèmes, fonctions, organes de chacune des dents. Et bien sûr, insérant des cellules souches arrosées avec de l'eau primordiale pour y ensemencer tout ce qui doit l'être. Et on peut rajouter en dernier lieu de la force de vie, l'énergie de force vitale. Oui. Tu vois autre chose à faire ? Là, c'est bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système bio-électrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent le système de chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? Il y en a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on élimine tous autour des plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste un arrière-plan. Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les programmes de vieillissement au sein de son ADN, des cellules, de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Éther. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et recollectif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. À présent, on va s'intéresser de sa pinéale. Avant cela, il y avait un système GPS, donc avec cet écran devant ses yeux, etc. Oui. Est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose ? Non. Bien. Alors, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite ? 47%. À combien l'était-elle avant la séance ? À 34. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
Voilà, nous allons pouvoir aborder ces points. Le premier qu'elle a évoqué, c'est cette hyperthyroïdie. On regarde qu'est-ce qui se passe à sa thyroïde. Alors, il y a la situation énergétique qui fait qu'elle est décalée à droite et à gauche, l'implant qui est derrière la nuque, mais aussi qui agit sur le plexus, ce qui provoque la compensation de l'élémental, une production plus intense en tout cas. Voilà. Pour se rééquilibrer de sa glande. D'accord, ok. Donc là, sur cette nouvelle ligne de temps, pour toutes les parties qui ont été impactées, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et des programmes de compensation de l'élémental. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Voilà. Est-ce que tu vois qu'on peut rajouter des énergies particulières? Oui. Des énergies de reproduction. Enfin, je sais pas, j'ai ce terme-là qui me vient, je ne sais pas pourquoi. De reproduction, c'est-à-dire reproduction des cellules. Autoreproduction, enfin quelque chose qui régule et qui équilibre, mais qui reproduit en fait au niveau de la glande. Oui. Voilà. Tu crois qu'il y aurait besoin de cellules souches ou il s'agit d'autre chose? Il s'agit d'autre chose. D'accord. Une espèce de régénération cellulaire? Exactement. Voilà. D'accord. Donc, tu as installé un programme pour ça? Oui. Voilà, tu vois autre chose qui doit être ajouté, de la force vitale éventuellement? Oui, ça fait partie du programme. Force vitale, oui, c'est bon. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu sa thyroïde maintenant et tout ce qui va avec, son organe d'expression et autres? Alors, c'est fluide et c'est régénéré et équilibré. Très bien. Alors, le psoriasis au coude et au genou, surtout en état de stress. Regarde donc à quoi c'était dû, même si on avait des infos tout à l'heure. Oui, c'est même... Ben, le genou, c'est rigolo parce qu'en fait, il y a d'un côté l'entité qui tire son bras et c'est le genou en fait qui est sur le cloche-pied, tu sais. D'accord. Pour tirer de l'autre côté. D'accord. Bon, là maintenant, puisqu'il y a l'entité des bras, bien sûr, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là pour tout remettre en ordre? Les traces traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. On reconnecte et réinforme. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Donc là, on va éviter à son alimental à mettre un baume donc cicatrisant et résorbant. Oui. Voilà, tu vois autre chose à mettre? Là, on peut mettre de l'énergie vitale aussi. Allons-y. Sur la peau. Voilà. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise, concrétise. Oui. Emphysème sur les poumons, sur le poumon droit, regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors... Alors, j'observe l'entité, des petites mains. C'est comme s'ils avaient piqué et retiré de l'énergie de son poumon. Alors, je ne sais plus, c'est le droit. Donc, on a dit le droit, là, oui. Ah, c'est ça. Ben, c'est le droit, oui, parce qu'en fait, il y a déjà une vulnérabilité par rapport à l'arbre généalogique aussi. Le masculin? Oui, par rapport au masculin. Donc, ils en profitent pour soutirer de l'énergie. C'est ce qui provoque ces emphysèmes au niveau de l'élémental, puisqu'ils compensent. D'accord, ok.
Bon, alors, à part couper tous les liens avec l'arbre, évidemment, les liens toxiques, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer là? Les mémoires traumatiques avec écho et résonance et les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, elle coupe tout, élimine le reste. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. On reconnaît qu'elle est en forme de ce qu'il doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Voilà. Et on invite son élémental à installer programmation d'élimination de tous ses emphysèmes. Tu vois autre chose à faire? Là, c'est correct. Tu es en train d'observer l'ancrage qui s'effectue côté droit, là, maintenant. Donc, c'est bon. Très bien. Et ça s'équilibre. Oui. Alors, C'est bon. stabilise, sécurise, précise, concrétise. Bien, donc elle fume, elle aimerait arrêter de fumer. Regarde qu'est-ce qui la pousse à fumer. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ait cette envie, ce désir, ce besoin? Alors, il y a les entités toujours derrière, c'est comme si je voyais que c'était l'entité qui fumait à sa place. Mais si l'entité fait ça, c'est qu'il y a des failles psychiques aussi. De failles psychiques par rapport à, comment dire, le rejet de l'incarnation, le sentiment de ne pas être à sa place. Comment on appelle ça, le sentiment d'impuissance aussi. Voilà. D'accord, ok, bien. Alors déjà, on va éliminer tout ça. Hein? Oui. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Oui. Alors maintenant, par rapport au désir, besoin et envie de fumer, qu'est-ce que tu vois d'autre qui resterait à éliminer? Des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok, on va travailler en même temps sur la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, perceptions, le goût, l'odorat, toucher, le gestuel, etc. D'accord? Voilà, donc on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, complicité. Voilà, et donc elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa sécurité intérieure, dans sa paix profonde et le sentiment d'être à sa juste place. Comment vas-tu, Catherine, à présent? Équilibré, recentré. Je la vois recentrée et c'est comme si elle avait sorti la tête hors de l'eau, tu sais. C'est-à-dire hors de l'eau, c'est-à-dire hors de même de la fumée, de tout ce qui l'angoissait en fait. Donc là, c'est équilibré, équilibrant en tout cas, et harmonieux. Alors, tu vas aller dans son futur, tu choisis un moment où auparavant elle a eu envie ou besoin de prendre une cigarette et dis-moi comment ça se passe. J'ai toujours la gestuelle, mais il y a pas de cigarette. D'accord. Elle n'a pas cette envie d'aspirer, de sentir la fumée à l'intérieur d'elle. Il n'y a Ok. plus ça. Juste la gestuelle. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois qu'il faudrait éliminer pour qu'il y ait plus la gestuelle? Comme s'il y avait des liens avec son passé, c'est-à-dire avec ses anxiétés, on va dire, je sais pas comment expliquer, ses mémoires antérieures dans le passé, Anxiogène. anxiogènes, voilà, des choses qui lui rappellent cette Donc gestuelle. elle va couper tous les liens, allez, tous les liens toxiques sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, On ça regarde y est. comment ça se passe maintenant. Et c'est pour ça, d'accord. Il y a quelque chose qui me vient, j'ai le ici et le maintenant, l'objectif de Ouais. son soi supérieur qui me vient là maintenant. Donc ça y est, elle est dans l'instant T. Donc il n'y a D'être plus de assis gestuelle. dans son ici Exactement. maintenant. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir maintenant, cette nouvelle situation? Il y a une découverte de la nouvelle Catherine, la sensation de liberté aussi. Voilà, surtout ça. Nouvelle, la nouveauté et liberté.
Et ça les fait ressentir quoi maintenant ? La joie, du plaisir à se découvrir. Eh bien voilà, alors elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. D'ailleurs, elle va même fumer l'énergie de son essence. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça ? C'est apaisant, et c'est serein et elle se sent alignée en fait avec toutes ses parties. Bien. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer tout ça. Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, donc la même chose pour l'alcool. Est-ce que l'alcool, c'est la même cause ? Est-ce que ça a été travaillé avec ou pas ? Ou il a besoin d'un traitement spécial ? Non, je vois que ça a été travaillé avec, puisque j'ai rien qui s'active quand tu me parles d'alcool. C'est en termes de dépendance. Les mêmes causes. Exactement. Parfait. Bien, ok. Dernier point, c'était les dents. Donc, on a tout refait. Regarde, c'est au niveau des dents. Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu autant de problèmes par rapport à ses dents et puis ses accidents qu'elle a eu aussi, y compris cette agression. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il y a l'implant qui est placé derrière la nuque qui touchait son expression. Donc, les entités ont provoqué aussi ces accidents pour... continue de la bloquer, en fait, pour pas s'exprimer, quoi. D'accord, ok. Donc, de tout ça, il reste quelque chose à éliminer ? Oui, il y a des traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Allez, on a une douceur sur tous les plans. Comme vous citez, 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour le système dentaire, je suppose que tout est bien ? Oui. Alors, stabilise, sécurise, prise et concrétise. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a toujours... Bon, non, on a la réponse que tous les problèmes sont toujours à droite. C'est par rapport aux polarités, évidemment. Donc, oui. Alors, maintenant, l'impression de ne pas être à sa place. Voilà, elle s'ennuie, elle se sent différente. Ben, je pense que les compréhensions sont là. Oui. Hein ? Il y a d'autres choses que tu voulais rajouter par rapport à cette impression ? Donc, c'est par rapport au rejet de l'incarnation et la perte d'identité aussi. Mmh. Et ça me ramène aussi à son premier traumatisme, en fait, d'entrer dans la physicalité. Bien sûr. Ok, ben on va y aller maintenant directement. Hein, comme ça, donc, tu vas trouver le tout premier traumatisme qu'elle a vécu. 1, 2, 3. Oui. Ça t'amène où ? Sur sa planète, où Neptune. Justement, oui, l'environnement est déstabilisant et qu'elle est obligée, elle se sent obligée d'ascensionner. Là, c'est là. Très bien. Donc, tu vas te présenter à elle, mais tu choisis un moment où elle est parfaitement en équilibre, dans son bien-être. Oui. Voilà. Tu te présentes à elle, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu vas l'inviter à s'y préparer. Et pour lui donner un petit coup de pouce, on va la connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à ce moment-là pour elle ? Elle grandit, elle s'expanse, il y a de la sagesse qui s'installe. Bien, maintenant elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également qu'ils ne changeront pas, ils resteront les mêmes, ce qui changera. C'est sa qualité de ressentir, de perception, sa manière d'être face à eux, etc. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Bien. Alors, puisque tout ça est clair pour elle, avant cela, quel sens elle donne à tous ces événements qui vont arriver ? Qu'est-ce qu'elle en comprend ? Qu'elle va vivre de l'expérience. Très bien. Alors, maintenant qu'elle en connaît tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle va plonger dans tous ces événements. Et jusqu'à sa toute première incarnation humaine, j'aimerais savoir comment tu la vois. Elle est calme et il y a comme une certitude et une sagesse de savoir ce qu'elle fait ici, le pourquoi elle est ici. Elle se sent forte et puissante à la fois. Ouais.
Bien, donc on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Voilà. Et elle repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Comment vas-tu, Catherine, ici et maintenant? Elle prend connaissance. C'est comme s'il y avait des sens qui se développaient et qu'elle prenait connaissance de cette nouveauté. Donc, c'est une nouvelle Catherine là, qui émerge. Et ça lui fait ressentir quoi? Et bah, ça lui donne beaucoup de curiosité, de joie et de plaisir, en fait, à découvrir cette nouvelle Catherine. Alors, dans cet ici et maintenant, quel point est temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer? Oui. Et elle le télécharge dans toutes ses parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, on va pouvoir continuer sur les autres points. Donc, quand elle dit qu'elle ne peut pas parler de ses sentiments, qu'elle a du mal à exprimer ses sentiments, ça va avec ce blocage à la gorge ou autre chose? Oui, c'est le blocage à la gorge, oui. Est-ce que tu vois d'autres causes? Non. Enfin, il n'y a rien d'autre qui s'active. D'accord. Avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois que maintenant, c'est réglé? Oui, exact. Très bien. Quand elle dit qu'elle ne se souvient jamais de ses rêves, on regarde pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle ne se souvienne pas de ses rêves? C'est le casque qui était placé devant elle. Donc, c'est ce qui fait qu'elle ne se rappelle pas, en fait. Puisque c'est l'illusion de ce que les entités veulent lui donner. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement aussi. Parfait. Donc, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par ce casque? Oui. Donc, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Équilibrer, synchroniser. Oui. Réaligner et retisser. Oui. Voilà, maintenant on va recréer au niveau des circuits neuronaux, tu vois des reconnexions à faire? Oui. Donc on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan à faire? Non, il n'y en a pas. Bien. Au niveau du cerveau droit-gauche, vois-tu des reconnexions? Oui. Idem. 1, 2, 3. Système nerveux central? Oui. 1, 2, 3. Oui. Voilà, tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est bon. C'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, autre point. Donc là, c'est un autre domaine. Elle fabrique des orgonites. Voilà, donc elle se demande quels sont les effets de ces orgonites sur les personnes, sur l'environnement, enfin, ce pourquoi elles sont fabriquées. Regarde déjà dans ce qu'elle réalise elle-même, quels sont les effets. Je vois une énergie qui se déploie d'une orgonite comme ça. C'est une énergie, harmonisante et équilibrante. D'accord, très bien. Donc là, telle qu'elle les fabrique, c'est correct? Oui, je vois pas d'autre chose, ouais. C'est bien. Très bien, ben voilà. Hein. Voilà, et puis sa dernière question, qu'est-ce qu'elle doit comprendre de cette existence? Moi, je pense qu'elle a ses réponses. Oui. On ne va pas insister plus. Ok, alors, donc on va regarder maintenant donc son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes, bien entendu, qui en découlaient. Alors, j'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, bien rangées. C'est dense et très limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager ou les expulser de sa réalité. Bien, alors sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? Qu'elle peut maintenant facilement les dégager, hein, transmuter. Bien. Alors, qu'est-ce que toi qui reste à dégager? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, elle dégage tout sur tous les plans. Composité. 1, 2, 3. Oui.
Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient donc en lien avec l'ancienne situation. Alors, j'ai de l'anxiété en arrière-plan, de la nostalgie qui découle sur de la tristesse et de la colère parfois de ne pas arriver à avoir ce sentiment d'impuissance, de ne pas arriver à se dépasser ces états-là. Il y a des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est créée. Bien, on va regarder maintenant au niveau des 5 blessures principales qui sont, je rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Alors, j'ai un sentiment de trahison en premier lieu qui s'est activé, de se sentir trahi par la partie supérieure, de l'avoir laissé là, abandonné, rejeté dans l'incarnation, dans ces conditions-là. Donc, c'est le ressenti, ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Il y a aussi ce sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, associé à un sentiment d'humiliation, de ne pas arriver, d'avoir ce sentiment d'impuissance, à dépasser ces états-là. Et pour pouvoir fonctionner ou maîtriser cette incarnation, elle s'est créée des bulles d'autodéfense qui lui donnent la sensation de repousser des pics de souffrance ou de les éviter. Mais ça la coupe de ses connexions intérieures et de son alignement. Elle a du mal à prendre sa place dans l'incarnation, ce qui crée une fausse image d'elle-même. C'est bien, bon. Alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tous les plans. Complicité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, et en ce qui concerne la personnalité, maintenant tu as toutes les informations et les compréhensions pour créer des changements et t'ouvrir à de nouveaux horizons, nouveaux comportements, nouveaux choix, enfin bref, tout ce qui est bien et bon pour toi. Voilà, et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur sourit autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Catherine à présent ? Elle est bien alignée, ancrée, équilibrée, c'est harmonieux, épanouissant. Beaucoup de joie et de plaisir à vivre, à découvrir cette nouvelle Catherine. Alors qu'elle a pris le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il était installé là dorénavant en permanence. Elle ramène cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit professionnelle, familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement, que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de ses nouvelles compréhensions et de ses nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir de son essence même, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Voilà, et je rappelle que ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle justement au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Catherine ? C'est équilibrant, serein, c'est calme, aligné, bien ancré. Il y a une force et une puissance intérieure et de l'épanouissement à découvrir cette nouveauté, cette Catherine. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui.
et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. On revient ici et maintenant, la boucle est bouclée. Stabilise, sécurise, planifie, concrétise. Oui. Comment vois-tu qu'être à présent ? Bien aligné, ancré, une force, une puissance intérieure. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans cet état d'équilibre épanouissant. Bien, eh ben, on est au moment des invitations. Oui. Elle a nommé bien sûr son mari et sa famille, ses enfants et leurs familles respectives, ses frères et sœurs et familles également, sa maman, sa famille en général, tous les amis, les collègues, on va dire tous ceux à qui elle pense, et bien sûr les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans, et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter ? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce ? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques. D'ailleurs, Catherine va en profiter pour faire également, donc selon le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3, pour tout le monde, bien sûr. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa, programmées uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Catherine pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Voilà. Et bien sûr, chacun est invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants puisqu'ils ont accès à l'information. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, on va passer au désincarné, à la nommée, celui qui a été son papa. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation ? Il est sur le plan astral, dans sa propre bulle de réalité. C'est comme s'il cherchait une solution pour avancer, pour aller plus loin. Bien, identifie-le, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Peux-tu communiquer avec lui ? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent ?
Il est sorti de ce plan, il a augmenté ses fréquences et il se sent vulnérable. Bien. Que choisit-il de faire à présent ? Veut-il remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? À revenir à la source. Bien. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, sans oublier bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant d'en monter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé? Il envoie beaucoup d'énergie de haute fréquence. Je ne peux pas parler d'énergie d'amour, mais c'est des hautes fréquences qu'il envoie dans toute sa famille, son épouse, les enfants, et il remercie. Il embrasse et il remercie Catherine. D'accord. Quel effet ça fait, cette énergie d'haute fréquence qu'il envoie? Ça. Alors, j'ai le terme discernement. Ça aide, par exemple, aux enfants à avoir plus de discernement dans leur vie 3D. D'accord. Et il aimerait s'exprimer, dire quelque chose de plus, personnel à Catherine? Il y a de l'amour. J'ai de l'amour, en fait, qu'il est en train de... Il embrasse et... D'accord. Il n'est pas très expressif. Non. Pardon. Très bien. Eh bien, demande-lui avant de remonter à la source s'il veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Catherine des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité que lui. Oui. Allons-y. Oui. Bien. C'est bon pour lui ? Oui, c'est bon. Eh bien, on va le saluer et le remercier. C'est bon, il est parti. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de celui qui a été le premier mari donc, de Catherine, qui s'appelait Ahmed. Regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. J'ai eu le terme, je ne sais pas, homme d'affaires. Il est en train de s'affairer dans sa bulle de réalité située dans l'astral. Je ne sais pas, il y a un bureau, il y a des affaires. Quoi. D'accord, bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui ? Il est très dynamique, oui. Donc, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande lui s'il veut que nous l'aidions. Il est très étonné, mais oui, pourquoi pas, puisqu'il a vu Catherine, oui. Alors, donc, on connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent ? Il s'est expansé, il a changé de plan et il est en observation. Voilà. Il se sent différent. Bien. Alors, que choisit-il de faire à présent ? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? S'il peut aller plus loin, oui, il choisit la source. Mais alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, lui aussi, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, bien sûr, tout en n'oubliant aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celle qui a été son épouse et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé ? Il est, oui, heureux d'avoir partagé un moment avec Catherine, mais c'est surtout qu'il la remercie en fait de l'avoir accompagnée sur cette route-là. Et du bonheur, je sais pas, il y a du bonheur, route, ouais, j'ai des flashs de mots comme ça. D'accord. Voilà. De la perspective où il se trouve à présent, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, des choix qu'il a fait, de ce qu'il y a derrière tout ça ? Il observe des gros liens, on va dire, transgénérationnels, mais aussi par des entités qui l'empêchaient d'être totalement lui-même. Voilà. Ok, c'est clair pour lui maintenant alors. Exact, c'est clair pour lui. Bien, eh ben, on va le saluer et le remercier. Et il nous remercie tous, oui. Et il est parti. Il est sorti de la fausse matrice ? Oui.
On revient à Catherine. Oui. Alors, regarde-t-il des liens toxiques? Oui. Elle les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller, là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, de l'ADN, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes si au sein de cette fausse matrice, il reste quelque chose en ce qui la concerne à éliminer. Non. Alors de son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies en les ayant filtrées, bien sûr. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double muscat activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle, si c'est nécessaire, qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, elle passe sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans l'innocence. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double demi-scat activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant et elle l'applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting et sur les parties qui ont le besoin à l'extérieur, comme son psoriasis, etc. Oui. Voilà. Donc, le programme pourrait stabiliser, et sécuriser et pérenniser. Oui. Maintenant, on va procéder à l'activation de la DHEA, donc cette hormone qui est produite par les glandes surrénales et qui donc contribue à la régénération cellulaire, au rajeunissement. Oui. Donc pour ça, tu vas regarder les programmations limitantes. Oui. Tu les vois? Oui. Donc on les élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Et elle va s'installer une nouvelle programmation donc, de production de cette DHEA dans un flux régulier, équilibré et permanent. Oui. Comment est-ce que tu vois son flux? À flot. Très bien. Beaucoup à flot. Parfait. Et tu vois que c'est permanent? Oui. Alors, tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 7 et 6 de connectés. Est-ce qu'elle peut connecter et activer la 7e? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Peut-elle donc rajouter de nouveaux programmes? Oui.
Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement cette séance? De 9 à 13 mois. De 9 à 13, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Il y a un épanouissement général et un bien-être. Et est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors, il suffira à Catherine de se rappeler de ce qui a été dit, de voir, de le réécouter pour bien comprendre. Dans ces moments de métabolisation où il te semblera que les choses reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rappelle également que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter ou contrarier ce qu'on a nous-mêmes installé. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de Catherine, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Épanouie, équilibrée, alignée, bien ancrée. C'est équilibrant, il y a beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir ce nouvel état d'être. Bien, donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt d'observer une recommandation. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois l'appartement. Il y a des fluctuations de fréquence, de basse fréquence liées à son ancienne situation énergétique. Alors, si tu regardes les sous-sols, est-ce que tu as des désordres géologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Très bien. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double escate activée et sécurisée. Oui. Sur son compteur électrique qui est un Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double biscuit activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection, elle également, et les autres occupants, s'ils le veulent, bien sûr. Oui. Et maintenant, tu as programmé les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relie le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Crée une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui.
Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à s'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Et autour, son cordia mentale en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin, pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pleinise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que la connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Catherine de se souvenir de ce qui a été dit, mais surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante et joyeuse. Et la partie séminale? Elle s'est renforcée, proche de la partie physique. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version de Catherine, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous ses taux de très haute fréquence composée de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et tout de muscat activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, qui était la fréquence de Catherine à la science, et quel était la présent? Alors, de 63 et maintenant de 182. Alors, chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Beaucoup les déjà. Ça va? Bien oui. Atterri. Ouais, c'est bon. Alors à nous Catherine, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Bah, j'ai eu beaucoup de frissons à la fin là. Ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de frissons et ça me parle beaucoup en fait. Hein, c'est ce que je disais. Je pense qu'il faut que je revoie la séance, que je laisse un peu de temps. Bien sûr. Oui. Mais je donnerai des nouvelles en fait. Bien sûr. Je vois que tu anticipes tout ça, oui. Bon, bon tu connais mon conseil, hein, comme tu dis, de revoir et beaucoup d'informations. N'hésite pas à refaire ta séance quand tu as des oui. moments de creux, hein, tu as l'impression que tu t'es dévié. Refais-la. Oui. Alors, pas d'une façon compulsive tous les deux ou tous les jours. Hein. Il faut que tu le sentes que tu en as vraiment besoin, tu vois. Hein oui, oui. Par contre, tu l'as fait bien du début jusqu'à la fin, tout en sachant qu'au début, les entités ne sont plus là. Hein. Que tu sois dans cette sécurité intérieure. Et comme tu disais, donc, j'attends tes nouvelles. Tu me diras par mail comment ça se passe pour toi. Oui, 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 pas de problème. Oui. Avec Merci. Plaisir. Merci à Laetitia, bien sûr. Merci Laetitia, oui. Et Pascal. Oui, donc j'espère que donc ta vidéo, je peux la publier sur YouTube. Oui, mais floutée, je pense. D'accord. Bah, on S'il fait te comment plaît. Ce sera flouté.
Il n'y a pas de souci. Merci à toi. On te souhaite une bonne métabolisation et puis à bientôt pour tes nouvelles. Merci Pascal. À bientôt Catherine. À bientôt. Et je